Gros salutations pour tout super abonné mio, j'espère que nous en forme. Je dis à nan nouvelle vidéo ça moi vinn apprendre ki jan ki ou capable insérer une photo nan yon forme sou Photopea ou bien Photopi. OK? J'en ap gade ya la ki jan photo a insérer bien belle nan forme nan, c'est comme ça que nous pral fè travail la ensemble avec m sou Photopea ou bien Photopi selon ou même façon ou dit là. Très rapide nous pral lancer Photopea par yon navigateur. De retour zanmi pam et très rapide nous lancer Photopea ou bien Photopi. Donc son navigateur et moi gen sou machine moi qui c'est Opera, moi lancer Opera, ensuite moi taper www.photopea.com. Ensuite et puis mal travail. Très rapide n'aller à gauche, nous font clic gauche sous outil rectangle pour nous joindre forme personnalisée. N'aller en bas, nous cliquer sur forme personnalisée. Là exactement nous pouvons aller à droite en l'air, dans notre forme, dans petit point qui marque forme, nous cliquer. Et puis exactement, nous avons plusieurs formes là. Donc ça va dépendre des choix pour là qu'on y a. Ok? Nous allons descendre, nous avons plusieurs formes. Nous avons un bon choix pour choisir la forme qui est dans l'idée là. Donc, moi-même, étant donné que c'est forme ellipse là, ok? On va le chercher et voilà. Mais on et puis me fait un clic gauche sur lui. Ensuite, m'aller en l'air mal changer couleur étant donné qu'elle était noire, me mettre le blanc et puis me pas prendre contour, me mettre le sans contour. OK, si vous regardez bien là après on croit passer sous contour. Et puis me font clic gauche enfoncé. OK, et puis me draguer sur là puis me laguer le bas. OK? Là, mais ellipse là en blanc. Donc c'est à partir de ellipse là, moi pral insérer image là dans forme ellipse. Mais ellipse en objet dynamique, qui ça me fait? Me font clic droit et puis moi pixeliser. OK? Moi cliquer sur pixeliser là, il pas gagne un objet dynamique encore, il pixeliser normalement. Donc, kounya là, en aller, nous pral chercher image là, aller dans menu fichier. OK? Ensuite, nous descend nous faire ouvrir. OK? D'aller en l'air, aller dans menu fichier, nous faire ouvrir. Ensuite, là, vous voyez nous exactement. Nous allons aller sur desktop, machine noire. Nous allons aller des photos que nous avons. OK, mes photos, et puis nous cliquer sur open. OK, nous marquons chargement, nous allons charger photos là. OK, immédiatement que. Photo a chargé toujours. OK, voilà, mes photo a. Ensuite, qui ça nous va le faire? Nous va aller à droite. Nous OK. Ben, palette de calque et puis nous font clic droit sous photo a, sous arrière, en arrière photo a, ensuite et puis nous allons là dupliquer vert. Nous fait clic gauche sur dupliquer vert et puis nous choisit dupliquer. OK. Nouveau projet. OK, ensuite on fait clic gauche sur OK. Là ensuite et puis nous retourner sur nouveau projet encore. Voilà. Mes photos là qui est en sous zone de travail là qui c'est projet que nous travaille là, ensuite nous redimensionner image là. OK, parce qu'elle est trop gros. Là, si nous mettez curseur là dans pointe image là, on va pouvoir changer. Nan un petit comme un petit bar et puis vous font clic gauche enfoncer et puis vous avancer. OK, très facile. OK, je pense que un débutant qui comprendre ça m'a dit là. OK, pour redimensionner l'image là pour faire plus gros bien plus petit, c'est comme ça vous font clic gauche enfoncer dans petit point que nous voyons. Mais attention, tant que curseur là changer, pas pour changer comme un petit bar. D'ailleurs, mes photos à Kounia là, nous mettons exactement sous ellipse là. Je vais me faire agrandir. OK. Là, je vais agrandir bien là. Qui ça me fait? Gardez à droite pour calque image là, sélectionner toujours. OK. Bien facile. Si vous regardez bien, on va pouvoir que calque image là, sélectionner. OK.
Ensuite, là que me fin mettre image sur ellipse comme ça, bien facile, me braler dans arrière calque là, me font clic droit et puis m'aller dans masque de décryptage. Me font clic gauche sur masque de décryptage. Voilà. Si vous regardez bien là, ou après que image là est entrée en dans ellipse là, en dans forme là, bien facile. Pour y aller, vous êtes capable de ranger image là, grosseur besoin là ou bien et façon que vous voulez en dans forme là, bien facile. OK, pour y aller, mes photos en dans forme là. Moi cliquer sur forme là, moi font clic droit dans arrière calque forme là. Il ouvert un style de calque pour moi. Là, moi le bal contour. OK, moi cliquer sur contour. Donc mes contours, il prend un contour noir. Moi ca agrandi taille là, voilà. Et m'a pas agrandi taille là. Ensuite, moi ca il y a opacité. OK. Moi ca descend opacité là. Par exemple, ou ca changer style couleur là. Par exemple, moi prend un dégradé. On clique sur dégrader, voilà. Mais comment dégrader apparaît? Ou ka cliquer sur dégrader, voilà. Li ouvri yon éditeur de dégrader. Ensuite, pour changer couleur normalement. Et donné que m'pa vle vidéo ça tellement long, on va pas prendre temps pour peut changer couleur pour montrer ou donc ou même le va pour faire travail ça normalement. OK? Par exemple, encore ou ka bal dégradé ou cabal couleur motif par exemple moi cliquer sur motif kounya voilà mais comment le prend couleur motif là étant donné que c'est couleur unime des besoin prend couleur ensuite on clique dans ça dans petit carré noir pour mal changer couleur lui ouvrir un sélecteur des couleurs et puis on choisit couleur que me voulez. Ça va dépendre où moi prend vert là. OK, rouge, bleu. OK. Ça va dépendre où pour choisir couleur qui fait au plaisir. Donc, moi quitter là avec vert là. Pas de problème et puis me fait OK. Donc, moi font clic gauche sous OK. Et voilà. Si vous regardez bien là, après image moi insérer bien belle en dedans en forme. OK, et puis me balle contour, me te cabalion en porte et tout. OK, ça parle de pande où, ça c'est première façon. D'accord? Et moi font on clique sur forme. Ensuite, moi peser contrôle, moi sélectionner calque photo, ensuite tout désélectionner et puis me faire contrôle T sur clavier. Ensuite, pour me faire le pipiti, le consacré, pour me agrandir ou faire le pipiti, ça va dépendre de où. OK? Mais assure que tous les calques sélectionnés, ni calque forme, ni calque photo. OK? Ni calque image là. D'accord? Donc, comme ça, tout ka fait contrôle G pour grouper normalement. Donc, ça c'est pour première façon. OK? Nous allons partir pour une deuxième façon. Par exemple, moi tout gain forme là sur machine moi, m'aller dans menu fichier, me faire ouvrir. Et ensuite, m'aller chercher forme là sur machine là, m'aller dans desktop. Pendant que m'aller dans desktop, OK, mais forme là, me font clic sur lui et puis me faire open. OK, et puis me faire open, me prend deuxième image là, a besoin, OK. Forme là ensuite me kembi chiffre et puis me fait l'autre image là voilà m'a besoin tout des images ça pour insérer dans forme là bien facile. OK, m'a besoin image ça encore. OK, d'accord, mais forme là. OK, mais forme là et ensuite qui ça me va le faire m'bral voyel sous zone de travail là, me font clic gauche sur lui, me glisser. OK, me voyel dans espace de travail là, bien facile. OK, clic gauche enfoncé et puis me glisser sous zone de travail là. Donc ça c'est forme là. Et ensuite moi ça m'bral faire qu'on y a mon font contrôle T sur lui
en façon que pour moi agrandir donc il va être conseil puis me fait un point qui sera mettre la pointe petit point je me font clic gauche enfoncer et puis m'a pas agrandir bien facile et puis me fait OK là c'est forme que me dégain sous machine moyen bien facile qui ça me va le faire encore pas oublier mes photos que nous va insérer en dans forme là. Si vous regardez bien là, vous voyez que li gen li en blanc, li gen background qui blanc ou bien arrière-plan. Qui ça me va le faire pour me retirer arrière-plan. Va le servir que va le servir avec outil gomme ou bien outil gomme magique ou bien magic eraser. OK? Là, m'a chercher mal là. Palette des outils à gauche et puis moi outil gomme il marque magic eraser. OK, ensuite moi cliquer sur lui, moi prend outil magic eraser et puis me font clic gauche dans espace blanc. Voilà, si vous regardez bien là après background n'a gétant aller étant donné que petit reste qui est qui était malé à gauche encore prend outil gomme là fois ça me prend outil gomme me paraît moi vinn moi augmenter taille là. OK, il était trop petit. Voilà, puis me prend outil gomme moi m'a passé dans zone qui était rété. Donc le plus souvent des pour prend outil gomme magique ou bien outil eraser. OK, depuis côté qui gain écriture et apprêté, donc ça c'est travail outil gomme qu'a vinn faire pour normalement. OK, mais outil gomme magique là un seul clic dans espace qui est en blanc pour après que majorité efface background là getan efface normalement. OK, là n'a passé outil gomme là n'a retiré tout petit décalé qui était rété. OK, bien facile et voilà tout petit décalé qui était rété n'a passé tout comme ça. OK, OK. Et voilà. Là, moi rete seulement image là. Donc moi à l'aise, moi cliquer sur outil de déplacement. De façon que pour moi à l'aise pour me déplacer image là. Qui ça me fait? OK. On font clic droit dans arrière calque image là, on dupliquer vers, ensuite on dupliquer le vers nouveau projet. On font clic gauche sur nouveau projet et puis me fait OK. Là, exactement m'aller dans nouveau projet après image là. Voilà, mais image là qui est en sous nouveau projet. OK, bien facile. Et puis me faire contrôle T, alors me contrôle alt plus T. OK, voilà, là regardez bien après il y a une possibilité pour redimensionner image là. Ça veut dire que ça pour me rappeler plus petit ou bien plus gros, ça va dépendre façon besoin là. Comment ça? Là, mali nan te toujours dit nous que mali nan un petit point, met qui sera après le changer. Font clic gauche enfoncé, OK, m'a draguer vini. Donc ça va dépendre où qui grosse que besoin là. Ensuite, moi prend image là, moi bien ranger sous forme là. OK? Suivez bien après son bagage professionnel qui pourrait le faire là. Pendant que moi prends image là, moi mettez le sous forme là. Moi cliquer sur outil déplacement. OK. En aller à droite. Dans palette des calques. OK, ou après calque image là sélectionné. OK. Après calque image là sélectionné. Et puis ça me va le faire là, moi pour aller dans petit œil qui bord côté image là, moi cliquer sur lui là. Si vous regardez bien, on voit que image là effacé. Moi sélectionner calque forme là, ensuite moi aller dans outil de sélection rapide. Moi cliquer sur lui, moi cliquer font clic gauche sur outil de sélection rapide et ensuite moi agrandi taille là parce qu'elle était trop petit. Et puis me prend outil de sélection rapide, me cliquer. Voilà. Soit regardez bien après me sélectionner cercle.
Alors, et pas tout cercle là non, en dans cercle là, ok, en dans forme là. Et puis, moi, cliquer sur petit A là, moi faire image là apparaître. Si vous regardez bien, après on a une sélection qui fait. Qui ça me va le faire? L'aime fin fait ça, sélection fait et puis moi fait apparaître image là encore. Moi aller à droite, ok, moi aller en bas. Assure que calque image la sélectionné et puis mal en bas mal ballon masse diffusion là l'aime cliquer sur l'aime ballon masse diffusion après image là entrer en dans forme là bien facile. OK, là pendant que l'entrée en dans forme là qui ça va le faire, on va le travailler là avec un outil gomme. OK, non, alors outil pinceau de préférence. Et ensuite, assure que couleur blanc au premier plan. Si toutefois noir au premier plan, ou pas qu'a fait travail qui va le faire là là. Suivez pour eux. Ou après que m'a jouer, OK. Ou bien me faire raccourci X sur clavier. N'a pas changer normalement, mais assure que couleur blanc au premier plan. Et puis me prend outil pinceau. Le mal à droite, moi ouais que c'est masse diffusion qui sélectionné. Et c'est lui pour sélectionner pas image là. Là ou ouais, là, on clique sur image là. Donc non, c'est pas image là pour sélectionner, c'est masse diffusion. On sélectionner masse diffusion, on font clic sur lui. Ensuite, m'a aller sur image là et puis me font clic gauche. Voilà. M'a passer pinceau à bien facile. OK? Ouais, pas grand rien qui difficile. Non, ça me fait là. Et ensuite, voilà. M'a passer bien facile. OK? Bien belle. Et en façon qui me fait apparaître et tête et mannequin, OK. Là, bien facile, me fait tête li paraître et ensuite, me quitter tout reste en dans forme. Donc, ouais pas gain qui difficile. Donc, c'est juste appliquer et puis ouais que ça va faire remettre travail que va faire, ensuite prend sang pour faire. C'est ça qui fait moi parler rapide, moi prend sang, moi expliquer au lit bien comment pour réussir bel travail ça. Donc j'espère que vous bien comprendre et j'espère que vous avez bien enjoy vidéo ça tout. Continuez à abonner à channel là, partager vidéo à faire un autre monde plaisir. OK, ça c'est premier travail que ça c'est deuxième travail que moi réaliser. Donc on va le faire paraître première, voilà. Mais tout dit travail, donc dis ça dans un commentaire qui travaille au pire main, si c'est première façon ou bien deuxième façon. J'espère que vous avez enjoyé la vidéo. Ça, bye bye tout le monde, à la prochaine pour notre vidéo. Ciao.